qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Oui, allez, on peut. Il est bon de se retrouver. Voilà. On le chantait tout à l'heure. On va le chanter avec d'autant plus de force. Non, voilà, il est bon de se retrouver, même si on se retrouve en effectif encore réduit. Plusieurs ont signalé vouloir être là, ils n'étaient pas là ce week-end. Et puis bon, il faut reprendre les habitudes de sortir du lit. Hein. On était bien dans nos lits là. En tout cas, vraiment, c'est formidable de nous retrouver ensemble pour cette reprise qui, j'espère, va tenir dans la durée. On a signalé que donc on faisait une formule à l'essai pour ces trois dimanches. Hein. Puis on va évaluer la situation. Si tout se passe bien, je n'ai pas de raison que ça ne se passe pas bien, mais on verra pour le reste de l'été. Mais pour l'instant, en tout cas, on s'est dit, allez, on se lance. On s'est lancé avant d'avoir les toutes dernières nouvelles qui avaient un peu plus de relâche, puisque techniquement, jusqu'à la semaine dernière, il fallait encore être espacé de 4 mètres carrés les uns les autres. Alors là, en fait, on l'est presque. Hein. Mais au moins, on savait qu'avec la nouvelle formule, on pouvait aller jusqu'à une cinquantaine ici. Donc, on va s'y approcher. En tout cas, soyez les bienvenus. C'est bon de se retrouver les uns les autres. Hein, et je recite ce psaume. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Eh bien, préparons-nous. Préparons-nous maintenant pour vivre ce moment de culte ensemble. Et je relis ce psaume avec un petit peu plus de son contenu. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors préparons-nous à vivre ce moment de culte ensemble. Oh oui, Seigneur, combien c'est bon de se retrouver ensemble dans ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci de nous accorder cette grâce. Merci même de nous accorder de réaliser combien c'est une grâce quand on n'a pas pu être ensemble pendant si longtemps. Merci de nous accorder cette grâce, de nous retrouver. Merci pour ta sainte et belle convocation. Merci pour cette occasion de nous retrouver pour te célébrer, te chanter de nouveau ensemble.
te prier, nous placer à l'écoute de ta parole et même nous asseoir à ta table. Seigneur, nous te remettons ce moment de culte. Te demandons que ton Esprit Saint nous visite, nous remplisse, nous unisse et nous donne, Seigneur, de pouvoir te célébrer tel que tu es digne de recevoir cette célébration. Te prions, Seigneur, de nous préparer les uns les autres, de poursuivre ce travail de préparation. Te demandons, Seigneur, particulièrement de nous donner un esprit disposé, disposé à réaliser notre indignité, disposé à réaliser notre besoin de grâce, disposé à réaliser notre besoin de nous laisser conduire, nourrir, guérir, renouveler, réaliser notre besoin de te célébrer. Alors Seigneur, puisse ton Esprit Saint nous conduire, nous qui sommes indignes, nous conduire dans sa grâce et nous donner de vivre ce moment de culte dans la joie de ta présence. Et nous te disons notre reconnaissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen.